Oh, ça va vite. C'est génial. Ça y est, la neige est là. Je suis avec Nico. Salut Nico. Salut. Donc latitude nord. Latitude nord, à Giron, 1000 mètres d'altitude, le plus haut village de l'Ain. Et ben on est dans l'Ain et on est avec plein de chiens parce qu'on va faire du chien de traîneau. C'est le début de saison et il y a de la neige et les chiens sont heureux et nous aussi. Eh bien ouais, quand ils sont heureux, on est heureux aussi, donc tout va bien. T'es musher. Et voilà, ma vie c'est les chiens, je suis toute l'année avec eux et c'est ma passion avant tout. Donc on va essayer le chien de traîneau. Chien de traîneau, c'est parti. Et ben voilà, on y va, c'est top. J'ai une montée d'adrénaline là. J'ai pas envie de me faire embarquer par les chiens. J'ai trop peur. Allez, bon, le chien de traîneau, c'est pas donné à tout le monde quand même, hein. C'est donné presque à tout le monde, il suffit d'avoir des notions d'équilibre et un minimum de conditions physiques. Tu as pu t'en rendre compte quand tu dois accompagner tes chiens dans l'effort à courir, marcher derrière ton traîneau, au moins marcher, soulager le traîneau. Allez, on y va. Allez, on court, on court, on court, on court. Et c'est physique hein, quand même de les accompagner. Hein. Alors, slutch, sidjet, slutch, sidjet, adok. Tu leur parles en quelle langue? Au chien? En franc chien. C'est quoi? C'est du russe? C'est du... C'est du français mélangé à du russe et du chien. C'est bien ça! Ikrasho! Ikrasho! C'est bon! Oula! Oula! Gauche! Ok! Gauche! Youhou! Gauche! Ouh là là, doucement. Oh la vache. Ça va vite. On est en pleine descente. Merci Nico, c'était top. Merci de ta visite. On a bien rigolé, c'était sympa. Et t'es une chef. Ah ouais, ça va, c'était pas trop. Moi, si la saison elle se passe comme ça tous les jours, c'est cool. Les pratiquants, ça. C'est sympa. Ouais. C'est top! C'est génial!